Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous venons devant ton trône de gloire. Seigneur, pour te dire que nous avons besoin de toi, nous te dédions, Seigneur, cette soirée. Merci parce que tu es le Dieu véritable. Et nous voulons glorifier le nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous prions pour que toute pensée soit captive à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'évangile du royaume, ou tout simplement que ton règne vienne. Amen. Amen. Nous avons parlé, je crois, mardi de la justice de Dieu. Nous avons vu que dans la justice, il y a beaucoup de choses. Il y a la crainte de Dieu. Il y a la sanctification. Il y a la sainteté. L'honnêteté. Et nous avons vu que la Bible dit que celui qui est né de Dieu à la semence de Dieu, donc il ne peut pas pratiquer le péché. Amen. Amen. Et hier, nous avons parlé de la puissance. Paul dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Nous avons vu que le mot puissance dans le grec veut dire dynamis. Qui a donné en français dynamite. Amen. Amen. Et si vous voulez faire, souvent en France, quand on détruit des bâtiments, on met des dynamites. Et en une seconde, on peut détruire un immeuble qu'on a construit en 2 ans, 3 ans. Voilà pourquoi dans le royaume de Dieu, quand le règne de Dieu vient quelque part, il y a aussi cette puissance là. Ce qui fait qu'avec cette puissance de l'Esprit de Dieu, nous pouvons renverser des forteresses que Satan a établies dans nos vies, dans nos foyers, dans nos affaires, et on peut par la puissance de Dieu les renverser et établir le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Amen. Amen. Nous avons vu que le mot règne dans le grec veut dire basilia, qui signifie simplement le pouvoir royal de Dieu. Le règne de Dieu, c'est le pouvoir royal de Jésus-Christ. C'est lorsque Jésus vient demeurer quelque part. Amen. Amen. Nous avons vu Philippe dans la ville de la Samarie. Simon le magicien régnait. Il manifestait la puissance de l'ennemi. Et toute la ville de Samarie était vraiment dans l'étonnement, complètement séduite. Et quand Philippe est arrivé, il y a prêché, la Bible dit, le royaume de Dieu. En fait, il a fait venir tout simplement le règne de Christ. Et quand le règne de Dieu vient quelque part, comme nous l'avons vu, les démons sont chassés. Amen. Amen. Les ténèbres s'en vont. Et c'est la lumière qui s'installe. Voilà pourquoi il est important, en tant que chrétien, d'avoir cette puissance de Dieu avec nous pour amener à chaque fois le règne de Dieu quelque part. Alléluia. Amen. Et nous avons vu également, il y a aussi dans le royaume de Dieu l'autorité. Qui veut dire exousia.
Et qui veut dire simplement, en fait, la personne, l'autorité, c'est la personne. On voit d'abord Dieu. Dieu est une autorité. Jésus est une autorité. Le Saint-Esprit est une autorité. Il y a aussi des anges. Il y a aussi des démons. Et il y a aussi des hommes que Dieu a établis. Les magistrats. Les juges. Nous avons aussi les hommes et les femmes de Dieu. Les cinq ministères que Dieu a établis. Qui sont autorité. Amen. Amen. Qui représentent l'autorité de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Et nous avons parlé un tout petit peu de l'autorité apostolique. L'autorité gouvernementale. Amen. Amen. Amener le règne de Dieu dans la ville où nous sommes établis. Et nous avons vu que Dieu cherche des hommes et des femmes qui veulent déloger les satanistes qui règnent dans nos villes. Pas par la force, pas par la violence, mais par la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Et il est important, frères et sœurs, de réclamer nos villes, nos foyers, nos affaires, de réclamer nos pays au diable au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a eu un homme de Dieu qui est déjà mort depuis quelques temps, Aïdi Nabala. C'était un homme d'autorité dans le royaume de Dieu. Quand il allait quelque part, les hommes, même les hommes de Dieu, le fuyaient. Il y en a même qui montaient dans les arbres, qui ne voulaient pas redescendre tant qu'il était encore là. Parce que c'est un homme que Dieu avait tellement élevé dans le royaume que si tu étais un pasteur, un évangéliste qui vivait dans le péché, il peut t'arracher par la parole prophétique ton ministère. Il y a eu un autre homme de Dieu, un Nigérian qui est mort, Idaosa. Un jour, il est allé prêcher dans l'une des églises de ses enfants spirituels. Il a été mal accueilli. Et puis il a dit à cet enfant, donne-moi ta Bible. Et il est parti avec. Et il lui dit, je pars avec ton ministère. Et puis il est parti. Ce frère est resté, un jour il prêchait dans son église, il voulait manifester l'onction, il n'y avait aucune goutte d'onction. Et il a essayé, il a sauté, il a dansé, il n'y avait plus rien. Et il est retourné voir son père. Il s'est mis à genoux, il a prié pour lui, il a retrouvé son onction. En fait, dans le royaume, il y a des dimensions d'autorité. Alléluia. Amen. Ça c'est important en tant qu'enfant de Dieu de le savoir. Jésus dit, parmi tous ceux qui sont nés des femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais il dit le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Ça veut dire dans le royaume de Dieu, il y a des petits et il y a des grands. Bien que nous soyons tous égaux, il y a des petits et il y a des grands par rapport à l'autorité. Et voilà pourquoi la Bible dit qu'une ville s'élève par la bénédiction des hommes et droits. C'est-à-dire par des déclarations prophétiques, on peut amener le règne de Dieu. Quand Paul est arrivé dans cette île, une île romaine, le gouverneur de cette île voulait recevoir le Seigneur. Dans Acte 13. Mais la Bible nous dit, Elimas, un magicien de haut niveau, a tout fait pour empêcher le proconsul ou le gouverneur de cette île de se convertir. Mais Paul, étant l'apôtre de Dieu, établi dans le royaume de Dieu, connaissant son autorité apostolique, Paul a
appelé les ténèbres dans la vie de cette personne. Paul a bien Alléluia. Amen. Le règne de Dieu. Bokonzi faire taire les satanistes. Ezali ko kangami noko na batuna satan. Par la puissance de Dieu. Nanguya na nzambe. Par l'autorité gouvernementale. Na bokonzi ya ko kamba nzambe. Par l'autorité que nous avons dans le nom de Jésus. Na bokonzi otozali na yango na kombo na Yesu. Non pour détruire mais pour édifier. Pona ko bebisa te kasi pona ko tonga. Amen. Amen. Et une autre fois. Pe tango mosusu. Paul arrive dans Éphèse. Paul a komi na Éphèse. Il trouve un homme Démétrius qui faisait c'est des grandes affaires, qui construisait des statues dédiées aux dieux aux dieux païens. Akuti bongo moto moko Démétrius oya zalaki kotonga banda ko minene minene pona banzambe oya bapakano. Et puis Paul a prêché l'évangile du royaume. Paul atia ki sango malamu ya bokonzi. Il a amené le règne de Dieu. Akumba ki bokonzi na nzambe. Et cet homme qui travaillait pour le dieu Diane a fait faillite. Parce que tu possèdes une autorité que tu ignores des fois. Beaucoup d'enfants de Dieu périssent parce qu'ils sont ignorants de ce que Dieu leur a communiqué dans le royaume. D'ailleurs Dieu le dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Ou la révélation. Ou la vision. Et quand il n'y a pas la vision, le peuple est sans frein. Alléluia. Amen. Très souvent nous pensons qu'il faut plusieurs heures dans la prière pour que Dieu agisse. Je peux passer une nuit dans l'adoration par exemple, mais pour chasser un démon je ne peux pas mettre une demi-heure, parce que si je dois mettre une demi-heure, si on doit délivrer toute la ville de Brazza, nous aurons du mal, non? Vrai ou faux? Sors, je ne sors pas. Sors, je ne sors pas. Nous avons connu ça aussi. S'il te plaît, démon, sors. Écoute-moi, s'il te plaît, sors. Ma voix est partie, s'il te plaît, sors. Je t'en supplie, au nom de Jésus, sors. Le démon dit, non, aujourd'hui, je ne sors pas. On dit, bon, viens le lendemain. Sors, je ne sors pas. Frère, quand les païens nous voient comme ça, vont-ils croire à notre Dieu? Alléluia. Amen. Pourrions-nous dire que Dieu est tout puissant? C'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fait 20 ans que je chasse les démons. Mais un jour, il y a 3-4 ans, Dieu m'a visité. Tu m'as dit, relis ta Bible. Tous les démons qui ont été chassés ont été chassés en un instant. Dans la Bible. L'ombre de Pierre qui touchait les possédés, les démons sortaient. Les mouchoirs de Paul qui touchaient son corps, on le mettait sur les possédés, les démons sortaient. Mais je dis, mais Dieu, mais qu'est-ce qui se passe avec nous? Dieu m'a dit, revois ta position. Et je dis, waouh, revois ta position. Que ton règne, Nous, je chassais les démons, j'avais mal à la gorge des fois. Il n'y avait plus de voix. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de voix. Nous avons chassé un démon toute la nuit. Il ne voulait pas sortir. Il y en avait nombreux. C'était nombreux. Ah, je dis, Seigneur, ce n'est pas possible. Mais quand on a commencé à comprendre notre autorité dans le royaume, je veux passer une nuit dans la prière. Et quand j'ai un démon en face de moi, je dis, démon, tu sais qui je suis dans le royaume. Tu sais que je sais que tu as été vaincu à la croix. Tu sais que je ne te chasse pas par ma puissance, mais par la puissance de mon Seigneur. Alors je te donne l'ordre au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et finis. Et puis, il n'y a plus rien. On dit, mais ça fait 20 ans que je cours avec ces démons. Mais oui, mais si ça tarde, c'est parce que quelque part il y a quelque chose qui ne va pas. Soit nous sommes dans le péché, soit la personne a un problème de non-pardon, de pardon, la haine, ou soit
Il n'y a pas la gloire. Voilà pourquoi nous devons appeler le règne de Dieu. C'est-à-dire en fait, quand on parle d'un royaume, d'un règne, on parle d'un trône. Or, si vous allez au ciel, vous allez voir que le trône de Dieu, au milieu et tout autour, il y a des coups de tonnerre, il y a des éclats. En fait, il y a la gloire. Donc, en gros, l'évangile du royaume, ce n'est pas seulement la puissance. Ce n'est pas seulement l'onction. Parce que l'onction, c'est pour le service. L'onction t'est donnée. L'onction m'est donnée. Tout simplement pour libérer les captifs. Pour accomplir une œuvre que Dieu nous a confiée. Esaïe 10, 27 le dit. Esaïe 10, il y a tout coumi balin à misa tolobi ango. Que la graisse ou l'onction brisera le joug. Esaïe 61 le dit également. Esaïe a tout motoba na moko elobi. L'esprit du Seigneur est sur moi. Moli mona kolo ezali kolo na ngai. Car il m'a oint pour. Ya pakolinga ipona. Libérer les captifs. Pona ko sikola bakangami. L'onction. C'est pour que tu accomplisses l'œuvre de Dieu. Esaïe pote yoko ki samosala na nzambe. Mais nous ne voulons pas nous limiter à l'onction. Beaucoup de chrétiens se limitent à l'onction. L'évangile ce n'est pas seulement l'onction. J'étais en prière. Dieu m'a dit il faut parler de la gloire. Et quand je suis arrivé, le Seigneur me l'a confirmé encore. Quelqu'un à côté de moi priait, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu. L'évangile de la gloire. Amen. Amen. Dis à ton voisin, l'évangile de la gloire. De Christ. La gloire de Dieu. Prenons la parole dans Jean chapitre 17. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'ils soient un. Comme nous sommes un. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. Amen. Nous parlons de l'évangile du royaume. Et un royaume, il y a un roi. Dans le règne de Dieu, dans le royaume, il y a un trône. Or, le trône de Dieu est environné de sa gloire. Vous ne pouvez pas dissocier Jésus-Christ de sa gloire. Alors, là, il était en train de prier son père. Il faisait une prière qui concernait les apôtres du premier siècle, les disciples du premier siècle. Et cette prière concernait également l'église dans son entièreté. C'est-à-dire toi et moi. Amen. Amen. Toi et moi. Parce que dans cette prière, sacerdotale de Jésus-Christ, tu as été inclus, je suis inclus. Et il dit, je leur ai donné la gloire que toi, papa, tu m'as donnée. Waouh. Vous vous imaginez, frère, Jésus nous dit ici qu'il nous a donné la gloire que son père lui a donnée. Ça veut dire quoi réellement? Alléluia. Amen. Oh, je suis convaincu que quand tu vas sortir de ce séminaire, gare un démon, gare un sorcier, tu vas oser se pointer encore devant toi. Gare à ceux et celles qui t'ont combattu depuis des années. Parce que tu vas être tellement gonflé de vitamines célestes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Un jour je dormais. Il y a de cela 7 ans. Le Seigneur m'a montré une montagne. Il m'a dit si tu montes jusqu'au sommet de cette montagne, tu verras ma gloire. Je dis waouh. Mais c'est quoi cette gloire là? Mais c'est quoi cette montagne? Alors vous savez ce que j'ai commencé à faire? Je crus.
Tu verras ma gloire. Je dis waouh. Mais c'est quoi cette gloire là? Mais c'est quoi cette montagne? Alors vous savez ce que j'ai commencé à faire? J'ai cru que la montagne c'était le jeûne et la prière. Alors je commence à jeûner, à prier, Mais il n'y avait toujours pas cette gloire là. Mais je dis, mais c'est quoi cette gloire? Seigneur m'a dit, dans cette montagne là, c'est toutes les difficultés par lesquelles tu vas devoir passer. Et si tu tiens ferme, tu verras ma gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. L'évangile de la gloire. Et nous allons lire deux ou trois passages. Encore nous gardons Jean 17. 2 Corinthiens chapitre 3. Verset 18. Nous tous donc le visage dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire. Par l'Esprit du Seigneur. Paul parle de la gloire du Seigneur. Il dit que notre visage est découvert. Ça veut dire que nous sommes libérés par rapport à la loi. Nous sommes libérés par rapport à la condamnation. Nous sommes libérés par rapport au péché. Notre visage est censé refléter la gloire de Christ. Et cette gloire-là, nous y entrons, nous allons de gloire en gloire. Alléluia. Amen. De gloire en gloire. Kembo likolo na kembo. Vous savez, quand Moïse est descendu de la montagne, Moïse de Sinaï, kouta na ngomba na Sinaï, son visage rayonnait de la gloire de Dieu. Les gens ne pouvaient pas le fixer. La gloire de Dieu. Kembo na Nzambe. Et Paul continue dans 2 Corinthiens 4. Pe Paul azali kokoba na buku na mibale ya bako cheka po na nzela ya misato pe ya minei. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur. Ngengi. Amen. Amen. La splendeur. Ngengi. La splendeur ici, c'est la gloire. Ngengi. La splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Qui est l'image de Dieu? Alléluia. Amen. Qui est l'image de Dieu? L'évangile de la gloire de Christ. La splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. L'évangile du royaume, c'est l'évangile de la gloire. Or, je méditais ce passage pour comprendre la racine. Qu'est-ce que le mot gloire veut dire dans le grec? Doxa. D-O-X-O. En fait, en gros, cela signifie l'excellence. L'évangile du royaume, c'est l'évangile de l'excellence. Dieu est un Dieu de l'excellence. Ça veut dire dans tout ce que nous faisons pour Dieu, il doit y avoir de l'excellence. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'aime bien ce chant qui dit excellent est ton nom. Amen. Amen. Parce que l'évangile du royaume, c'est l'évangile de l'excellence. Frère, il y a 20 ans, quand je m'étais converti, on avait une fausse image de l'évangile. Amen. Amen. À l'époque, je me rappelle, dans le quartier où j'ai grandi, quand une sœur se mariait avec un pasteur, toute la famille devait pleurer. Parce qu'on avait l'image des pasteurs qui étaient censés être pauvres. Avec des pantalons complètement usés. Avec des babouches usées. Et les familles pleuraient. Et on se disait, bon, comme il s'agit des affaires de Dieu, on ne peut pas tellement faire des belles choses. Parce que c'est Dieu.
Dieu ne voit pas tout ça. Parce que Dieu va comprendre. En fait, la gloire de Dieu ici d'abord, c'est l'excellence. Quand le règne de Dieu vient dans ton ministère, tu vas rentrer dans l'excellence. L'excellence par rapport à l'enseignement. L'excellence par rapport à la délivrance. Tu auras des prophéties avec précision. C'est l'excellence. Dieu va t'utiliser la guérison avec précision, c'est l'excellence. Non, je ne crois pas à ce Dieu là qui guérit à moitié. Tu es venu devant lui avec deux jambes amputées. Et il y a seulement une jambe qui pousse. Et il te laisse avec une moitié, une jambe à moins. Non, Dieu est un Dieu de l'excellence. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est important, chrétien, d'avoir la révélation du Dieu que nous servons. Parce que si tu le vois petit, médiocre, tu seras médiocre. Tu seras petit. Alléluia. Amen. Mais si tu commences à rentrer dans l'excellence de Dieu, frère, même les gens ne vont pas te comprendre. Alléluia. Amen. Parce que c'est l'excellence du Seigneur. L'excellence de l'évangile. L'évangile du royaume de Dieu. Vous savez, dans l'évangile du royaume, quand la gloire de Dieu vient, cette excellence-là, je parle d'abord de l'aspect physique, hein, mais même ta façon de parler va changer. Les gens, même si tu n'as pas de diplôme, les gens vont dire, mais tu as fait des études théologiques, tu as fait des études, qu'est-ce que tu as fait là? C'est compliqué, tout ça. Tu vas manger à la même table que les grands de ce monde, ils vont croire que toi aussi tu as des doctorats. Je ne sais pas quel doctorat. L'excellence. Alléluia. Amen. Une sœur est venue me voir, elle m'a dit, ah, tu as des diplômes, tu as combien de diplômes? Une métisse. Je lui ai dit, j'ai aucun diplôme. Ah bon? Mais comment tu t'exprimes? Mais comment tu fais les choses? L'organisation de l'église, la formation des ministères. Dieu prend les choses viles du monde pour confondre la sagesse de ce monde. Voilà pourquoi il ne faut jamais être minimisé. Il ne faut jamais te laisser minimiser. Il ne faut jamais être complexé. Dieu n'est pas africain. Dieu n'est pas du tout blanc. Dieu n'est pas du tout américain. Je veux que tu comprennes cela. Il est temps que les Américains, les grands noms américains, les grands hommes de Dieu, grands américains, viennent en Afrique et constatent l'excellence dans l'œuvre de Dieu, l'excellence dans le ministère. Alléluia. Amen. Ils vont voir, dehors, il y a des immondices. Mais quand ils vont venir dans nos ministères, ils vont voir l'excellence des choses du ciel, la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu d'excellence. Frère, non mais c'est la gloire de Dieu, l'évangile de la gloire de Dieu. Ne fais pas les choses de Dieu avec négligence parce que c'est Dieu. Non. Les gens aujourd'hui disent, mais tu écris des livres comme ça, tous les 6 mois, il y a un livre qui doit sortir, tous les 6 mois, un livre qui doit sortir. Mais comment tu fais? Dieu, c'est l'excellence. Mais j'ai pas appris comment écrire les livres. C'est l'excellence. Quand la gloire vient dans ta vie, ce n'est pas seulement la prophétie. Parce que tu peux mourir avec la prophétie dans la pauvreté. Tu peux mourir dans la médiocrité avec la prophétie parce que tu n'as pas saisi. Alléluia. Amen. L'excellence. Voilà pourquoi hier je vous disais, ou avant-hier,
que les avions qui sont en train de construire nouvellement, ce n'est pas pour les païens d'abord, mais c'est pour toi et moi, pour que Matthieu 28, 19 à 20 s'accomplisse. Aller jusqu'aux extrémités de la terre, l'excellence. Alléluia. Amen. L'excellence dans tout ce que tu fais pour Dieu. L'excellence dans l'implantation des églises. L'excellence dans la formation des disciples. Quand les gens vont voir les disciples qui sont formés, ils vont dire ils sont sortis de Rehoboth. Avant même que ces hommes et ces femmes ne parlent, ils vont dire ils sont sortis de là-bas. Parce que leur langage les trahit. Parce que Rehoboth c'est l'excellence. Mais le monde soupire après la génération, la révélation plutôt, des fils et des filles de Dieu. L'excellence. Dieu est un Dieu d'excellence. Alléluia. Amen. La gloire de l'Éternel. Voilà pourquoi, quand Dieu a commencé à me parler par rapport à la délivrance, je dis Seigneur, je veux l'excellence. Quand je vois Paul dans la délivrance, dans la Bible, je vois l'excellence. Quand je vois Pierre, je vois l'excellence. Quand je vois Philippe, je vois l'excellence. Quand je vois Étienne, je vois l'excellence. Philippe, un simple diacre. Un simple diacre. Mais quand il arrive dans la Samarie, c'est l'excellence dans la délivrance, l'excellence dans le miracle. Non frère, il est temps que ton ombre, il est temps que tes mouchoirs, que mes mouchoirs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, libère les hommes et les femmes. Oh, demain soir, je crois qu'il y aura l'excellence encore. Je le crois parce que l'esprit bouillonne à moi comme pas possible. Alléluia. Amen. Nous en avons assez de discuter avec les démons. S'il te plaît, sorcellerie, tu peux sortir. S'il te plaît, si tu sors vraiment, je veux te. Alléluia. Amen. Moi, ça m'a révolté. Je dis, oh, l'excellence. Je vois les professions, je vois comme si, je vois là, c'est comme si, c'est comme si. Non, Dieu n'est pas le Dieu de comme si. L'excellence est. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas tâtonner. Dis à ton voisin, nous ne voulons pas tâtonner. Nous voulons voir le Créateur qui a créé le ciel et la terre avec nous. Si les marabouts tâtonnent, si les voyants tâtonnent, si les médiums tâtonnent, ce n'est pas nous avec Jésus que nous allons tâtonner. Alléluia. Amen. Non, il y en a assez. Soit Dieu il descend nous guérir, nous libérer, ou soit il n'y a pas Dieu. Mais comme Dieu existe et que c'est un Dieu d'excellence, alors il veut que son peuple soit un peuple excellent. Non, si Dieu ouvrait le ministère d'Élie, un jour j'étais en prière, Dieu m'a dit à l'oreille, sais-tu que tu sers le même Dieu qu'Élie? Pourquoi je fais comme ça? Quoi? Je le savais intellectuellement. Mais ce jour-là, c'est une grande révélation. Oh, je dis Seigneur, je ne veux pas t'attendre dans la prophétie. Je veux l'excellence. Pour ta gloire, mon Dieu. Je veux l'excellence. Ah! Et Dieu honore. Un jour on était en prière. Tout était fermé.
Dieu me dit, il y a quelqu'un qui est devant la porte. Il faut aller ouvrir. On ne voyait rien. Du monde. Il dit, protocole, ouvrez la porte là-bas, il y a quelqu'un devant la porte. Il faut laisser entrer la personne. Les gens viennent. Ouvrez là-bas, il y a quelqu'un. La personne entre comme ça, les gens étaient étonnés. Et c'était tant. Et les gens disent, c'est quoi ici? Qu'est-ce qui se passe ici? L'excellence, mon frère. Tu vas rentrer de plus en plus dans l'excellence. Les médecins n'arrivent pas à guérir le sida. Il faut qu'il y ait l'excellence dans nos vies, dans nos églises. Ces gens ont besoin de la délivrance, ont besoin de la guérison. Moi, ça me révolutionne. Écoutez, je crois que Dieu n'a pas changé. Je crois que le Dieu de la Bible n'a pas changé. Je crois que les miracles n'ont pas cessé avec les apôtres. Je crois que la résurrection des morts n'a pas cessé avec les apôtres. Je crois que Dieu qui a créé le ciel et la terre veut que la gloire revienne dans nos vies, dans nos ministères, dans l'église, au nom de Jésus. Je dis au Seigneur, je ne veux pas une église de 40 000 membres. Je veux les nations. Parce que je veux me fatiguer après. Je veux l'excellence. Voilà, il a dit, demande-moi les nations. Et je te le donnerai en quoi? Héritage. Il n'y a pas que le pape, il vient, il prend tout le pays. Mais tu dois te lever toi tel que tu es là, mon frère. Tu dois te lever, ma soeur. L'excellence. Au nom de Jésus. Dis à ton voisin, finis la médiocrité. Dis-lui encore, la médiocrité ce soir c'est fini. Dis-lui encore, la pauvreté là, je la refuse. Écoute, tu peux ne pas avoir l'argent. Tu peux ne pas avoir l'or, mais être dans l'excellence par rapport au travail que Dieu t'a confié. Dans ton mariage, l'excellence. Ton mari et toi côte à côte dans l'excellence. Tes enfants et toi côte à côte dans l'excellence. Alléluia. Amen. Il a dit, tu seras la tête et non la queue. Dis à ton voisin, refuse d'être la queue. Hey! 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 Que ton règne vienne. Hallelujah! Le temps est venu où les marabouts doivent faire faillite. Nous devons fermer leurs entreprises. Le temps est venu. Nous allons fermer des boîtes de nuit. Le temps est venu. Nous allons déloger les gens dans le stade. Nous arrivons, dis à ton voisin, nous arrivons. Nous allons nous emparer des stades. L'excellence. Ces stades-là ont été construits pour toi et moi. Hallelujah. Amen. L'excellence. Dieu est bon. Dieu est bon. Faut l'amener. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame-le. Dieu me dit à partir de maintenant, ma soeur,
C'est l'excellence dans ta vie. L'excellence dans ta famille. Dieu te dit à partir de maintenant. C'est l'excellence dans tout ce que tu fais. On acclame encore Jésus de Nazareth. Là, la gloire arrive là. Nous sommes environnés de l'excellence. Nous sommes environnés de l'excellence. Écoute, écoute, toi qui fais de la musique. Le disque d'or là. Les voyages dans les nations. Ce n'est pas seulement pour Whitney Houston. Ce n'est pas seulement pour Maria Carré. Ce n'est pas seulement pour les Américains. Alléluia. Qui t'a dit que l'Afrique est un continent maudit? Non, non, l'Afrique, ils allaient attendre ma belle, laquelle ma belle. Je vais te dire une révélation. Est-ce que tu sais? Est-ce que qu'en Israël, c'est en Israël, il y a eu du sang africain. Les Ali Bongo, les Sikamoko, l'Afrique, ils Alléluia. Amen. Joseph s'est marié avec une africaine. Joseph et Abalana qui n'a moins si en Afrique. Et le droit de naître lui a été donné. Et pèse mes alors ces deux fils. Manassé, Manassé et Ephraïm, na Ephraïm. C'était des métis. Qui métis. Ils avaient du sang africain en eux. Qui en Afrique, c'est prophétique. Ça veut dire que Dieu pense aux Africains. Le droit de naissance est à nous, mon frère. L'excellence. 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 Commence à bénir Dieu parce que tu es noir. Commence à le bénir parce que tu es français. Tu n'es pas esclave. Tu n'as pas été maudit. La malédiction de Noé ne concernait pas les Africains. Elle concernait Canaan. Et l'Afrique n'a rien à voir avec Canaan. Tu as hérité du droit de naître. L'excellence. La double portion. La double portion. La richesse que tu as. L'or que tu as. Le diamant que tu as. Le pétrole que tu as. Tu sais pourquoi tu les as? L'Afrique a toujours été un lieu de refuge. Abraham s'est réfugié en Afrique. Parce que là il y a l'étoile de l'Afrique. Alléluia. Amen. Isaac s'est retrouvé en Afrique. Isaac pas en Afrique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël. Israël. Se sont retrouvés en Afrique. Azalaki en Afrique. Et pour couronner le tout. Lui-même est le star, le star. L'Afrique, l'Afrique, Africa. A été foulée aux pieds et par le Seigneur de gloire. Na kolo na kembo. Il a déposé sa gloire. Actia ki kembo na ye. Si à la guerre. Na mokili awa. C'est parce que les blancs savent que l'Afrique de Africa. A une destinée prophétique. Na kambo na lisa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'excellence. Akambo kitoko koleka. L'excellence. Kitoko koleka. L'excellence. Akambo kitoko koleka. L'excellence. Alléluia. Hey! 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 Acclame-le, bientôt. Les blancs viendront demander l'asile en Afrique. Je le prophétise. Parce que si Dieu lui-même s'est réfugié en Afrique, à combien plus forte raison les hommes de ce monde, ils viendront. Ils viendront. Vous savez, depuis la Genèse, sur les quatre fleuves de Genèse, il y en avait un qui allait jusqu'à midi, jusqu'à l'Éthiopie.
l'Afrique. Africa. Dès le commencement, tu as visé l'Afrique. Dès le commencement, tu as visé l'Afrique. Et la Bible dit dans ce fleuve-là, il y avait l'or. Il y avait le diamant. Voilà pourquoi en Afrique, il y a l'or et le diamant. L'excellence! Au nom de... Ça coule là-bas là. Je vois le Seigneur arriver en ce lieu en robe blanche. C'est une belle image. La star de star. L'agneau de Dieu. L'amour de ma vie. Mon bien-aimé chéri. Celui qui a les beaux yeux. Celui qui a les belles lèvres. Celui qui a les belles jambes. Celui qui a des beaux pieds. Des beaux cheveux. Celui-là même qui a dit la croix. Ils t'ont beaucoup minimisé. Ils t'ont beaucoup écrasé. Ils t'ont beaucoup minimisé. Mais le temps est arrivé. 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 L'heure vient. L'heure vient. Elle est venue. Elle est venue. Où le ciel s'ouvrira au-dessus de l'Afrique. Au-dessus de Congo Brazza. L'heure vient. Et elle est déjà. La gloire est là. La gloire est là. Il y a une onction prophétique ici. Il y a une onction prophétique ici. Il y a une onction prophétique. Mon Dieu. Amène les deux là. Tout ce que tu appelles. Dans l'onction prophétique. Là où je parle seulement. Mike, la gloire prophétique arrive. La gloire prophétique arrive. Ce soir c'est quelque chose. Pourquoi elle est là? Je voulais m'habiller simple. Dieu m'a dit chez moi, non, l'excellence. Mets-toi en costume aujourd'hui. C'est l'excellence. L'excellence. Alléluia. Alléluia. Fire. L'excellence. Tu vas changer ta démarche à partir de ce soir. Excellence. 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 Onada. Jésus. Onada. Jésus. Onada. Jésus. Onada. Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? On a peut tambouler en dégueu. Tu as le sida, pourquoi tu marches comme ça? Ta famille est malade, pourquoi tu marches comme ça? Je ne suis pas affecté. L'excellence. Dieu au chômage, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as des diplômes, mais tu ne travailles pas, qu'est-ce qui se passe? L'excellence. Pasteur Denis, c'est l'excellence. Pasteur Denis, Zali Makambo. Dieu me dit de te dire, c'est l'excellence. L'excellence. Dieu t'appelle bientôt à temps plein, c'est le temps. L'excellence, il prendra soin de tout. L'excellence. Petit, chauve,
Sans diplôme. Plein de diplômes. Grand. Noir. Riche. Je ne sais pas, blanc. Ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important. Ce que Dieu veut, c'est l'excellence. Au nom de Jésus. Ne confondons pas l'orgueil et la fierté. Je suis fier de mon doudou d'amour. Je suis fier de l'agneau de Dieu. Je suis fier de mon grand frère Yeshua Mashiach. Je suis fier. Car si le diable se lève, il dit petit calme-toi. Petit calme-toi. Parce que mon peuple, c'est un peuple d'excellence. Un peuple d'excellence. Voilà pourquoi des fois on n'a rien à manger. Mais le sourire, l'excellence. Au nom de Jésus, je veux qu'on l'acclame comme on l'a jamais acclamé. Acclame-le. L'excellence. Dieu est établi comme Déborah. L'excellence. Alléluia. Alléluia. Glorifie le prix, 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 prix. Prix, 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 prix. Ganga, bondela, prix. Bondela, bondela. Cha. Yandala bala bala bala. Prie. Bondela. Sambela. Prie. Sambela. Excellence. Sambela. Amène-le. Prie. Bondela. Prie. Bondela. Mike, amène-le. Prie. Bondela. Oh, oh, l'excellence, mon frère. Dieu t'aime. L'excellence, prie.